9h15. Et je me suis levée depuis peu de temps. Ah, j'ai fait une bonne grasse matinée. Bon, je prends mes outils indispensables, mon téléphone, ma chicorée café, et on va aller faire toc-toc chez la Miss Crissa. Ah, là, on s'est garé près, là. Invisible? Oui, visible. Bonjour. Bonjour. Je viens pour le briefing du matin. Allez, viens, Domino, tu restes ici. Oh non. Oh. Domino est parti se promener. Non, ça filme. Ben oui. Lise. Wow. Donc, André, elle est venue chez moi avec sa chicorica. Internationale, voilà. Froide toujours. Froide, et moi c'est chaud, c'est mon café, c'est mon plaisir du matin. D'ailleurs, fais-moi penser, il faut que je rachète du café. Et puis beaucoup. Ça, c'est ma meilleure copine le matin. D'ailleurs, je suis contente d'être revenue en France parce que. En Allemagne, j'avais pas trouvé de la chicorée café, donc je me faisais un espèce de mélange avec du café soluble. Et Crissa m'avait trouvé une boîte de chicorée, donc je mélangeais un peu de café avec de la chicorée. Et là, ça y est, je suis de retour avec ma chicorée française, chicorée café française. Allez, hop, top, voilà. Bon. Elle se marre tout le temps. Ben, regarde. Tu sais qu'ils vont tous te prendre pour une folle. Regardez comme c'est beau, c'est joli, hein. Ça sent bon en tout cas, et c'est cuit dans le petit panier en bois. Voilà, je vais déguster tout à l'heure. Bah ouais. Crissa découvre la vie. Alors, attends, je découvre pas la vie, je trouve ça joli, et puis c'est bien présenté, et je pense que c'est bon. Parce que quand on se base sur le gâteau basque, oui, oh, il était super bon. Oh là là, un régal. Ah ouais, là... Je me suis obligée de manger que la moitié. C'est vrai qu'il est excellent. Elle est... Oh. Alors, j'ai pris celui à la crème. Il y en avait aux cerises. Ouais. Moi, non, cerise, c'est pas trop non. Mon truc. Gâteau basque, le vrai gâteau basque, c'est voilà. À la crème, point final. Les cerises, je les adore, mais fraîches. Oh. Ah oui, ça, c'est Crissa et son téléphone. Dès que j'allume le matin, il me fait 3000 bling, tous les messages qu'ils ont arrivés la nuit. Hein. Tous vos commentaires qu'ils ont arrivés la nuit, moi je le ressens le matin. Et ça fait chaque fois un bling, voilà. Donc le gâteau basque était à la crème. Je finis quand même sur le gâteau basque. Et c'était super bon. Excellent. Et j'avais pris une petite baguette aussi. Ouais. Parce que je me suis fait un petit poulet au curry, pommes et oignons. Ouais. J'ai mangé avec un morceau de baguette, c'était super bon. Oh mais... Bon, excusez-moi, j'ai jamais réussi à arrêter les bling-bling, mais j'y crois que ça s'arrête pas. On passe pas à frontière ou pas aujourd'hui? Bon, non. Non, il faut qu'on s'arrête à Tarnance. Non, parfait. Post-restante à Tarnance, parce qu'on attend des livraisons. On attend les adaptateurs pour l'Espagne et puis les régulateurs de Jack. Ah oui. Mais oui, qu'il a envoyé avant-hier, donc merci beaucoup. Donc nous sommes à Campagne, dans le petit village de Campagne, qui s'appelle Campagne. On a passé une nuit vraiment super, ouais, c'est vrai. Au calme. Très très bien. Impeccable. Hein. J'ai rien entendu, ni boulanger qui embauche, ni le sud-ouest. Même pas, il avait un gros 19 tonnes qui était garé à côté de moi, je ne l'ai même pas entendu arriver. Non, mais je crois que c'était notre première nuit, et puis en plus, surtout toi, tu as tellement bossé physiquement hier, entre tes machines, ton rangement. Ouais. Mais vous savez que j'ai dû presque la disputer hier soir pour qu'elle arrête, quoi. Mais j'ai dormi 8 heures d'affilée. Elle compte ses heures de dodo, quoi, quand même. Hein. Parce que c'est étonnant. Normalement, je dors 6 heures. Mais là, je me suis couchée à minuit et demi. Je voyais plus ce que je faisais sur l'ordinateur. Moi aussi, je me suis couchée à plus de minuit, mais pas pour les mêmes raisons. C'est simplement parce que j'ai travaillé. Oui, oui. Tu as travaillé, je t'ai entendu parler encore une fois. C'est bien ça. J'ai travaillé, tard, jusqu'à minuit.
Mais bon, il faut bien hein, pour mettre. Surtout qu'aujourd'hui, c'est opération, je pense, GPL. GPL et gasoil. J'ai aujourd'hui et demain pour trouver du Ouais. GPL. Oh, on va peut-être trouver Gasoil, à je vais limiter au Tarnos. maximum. Ouais. C'est après la frontière espagnole, ça C'est sera un beaucoup moins peu moins cher. cher. Ah, il y a Mais j'ai besoin un peu de gasoil. une vingtaine de centimes de différence. Ouais, j'ai fait un peu de gasoil, comme tu avais déjà deviné hier. C'est pour ça que j'étais Ben arrivé surtout que je après t'ai toi. vu, ben je t'ai vu, j'ai vu Tu m'as Foxy. vu Foxy. Mais j'ai vraiment fait que le minimum nécessaire juste pour aller en Espagne, parce qu'il y a une vingtaine de centimes de différence, en gros, entre le prix espagnol et le prix français. Ben Donc, oui, ouais. hein, Non, non, mais voilà. c'est pour ça que moi, Ouais, si j'en remets là du gasoil, ça sera un tout ouais, petit ouais. peu, c'est Vraiment tout, juste hein. pour traverser la frontière. Et Ouais. de toute façon, Tarnos, c'est à côté de Bayonne, Biarritz. Donc, on est déjà presque à la frontière. On n'est pas J'adore, très je loin. suis sur Parc4Night. J'ai tellement de petits parkings, de campings, de tout, que je vois même pas Tarnos. Et comme j'ai quelques doutes quant à la position de Tarnos, Alors, je Tarnos vois pas cherche, Tarnos. cherche Biarritz, Bayonne Biarritz. Et oui, ça j'ai Bayonne. Bon, tu vas un peu au Ça nord, y c'est est, c'est juste au bon. nord, voilà, c'est juste au nord de Biarritz. C'est inondé par les parkings, les Ouais. zones de pique-nique et tout, quoi. Alors, c'est la grande agglomération BAB. Bayonne, anglais, Biarritz. Ouais, c'est ça, ça s'appelle comme Pas de ça. bon matin, là. Non, Ça pas le s'appelle bon comme ça. matin. Crie ça doucement, doucement. Voilà. Attends, je vais continuer de Donc, lire ma chicorée. juste au nord de Bayonne, il y a donc Tarnos. Tarnos, Ah. il y a la grande nationale, l'ancienne nationale 10 qui traverse Tarnos. Ah mais bon matin, elle est en pleine forme, la petite, Ben oui, hein. j'ai même Bon. pas encore bu mon café. Oh non. Non, mais ça, je le sais parce que c'est une région où j'habitais pendant très longtemps, T'as donc pas je bu connais ton la région. café, t'as pas mangé Et je ton suis déjà butin. pipelette. Elle renifle, et ensuite elle me Ça dit va, que c'est c'est bon bon. et c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle me fait là, Voilà. mon téléphone? Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis fait toute pelle. Waouh. Oui, mais moi j'ai remarqué. Ah. Pourquoi il va plus là? Qu'est-ce qu'il me fait là comme bêtise? Campagne, ok, Je ça me y est, ça on venge. a déjà Je me venge de mes vêtements parce que franchement, ça a été très, très, très difficile de laisser partir de des faire un vêtements. choix, ouais, je sais. C'était atroce, mais Ouais, je vraiment. sais. Bon, je sais pas, bon, il y a certains hommes, des fois, qui aiment les vêtements, vous pouvez comprendre. Attention à ton bras sur la table, ma chérie. Il gueule, il trempe dans tous les sens. Tiens, en parlant d'Eagle, vous avez remarqué, ce temps-ci, on filme beaucoup avec Eagle. Oui. La caméra Eagle 4K. Et ben, moi, je Pardon. trouve, enfin, personnellement, je trouve que l'image, elle est vraiment tip-top. Elle est vraiment belle. Hein. Les couleurs Donc. sont bien. Par contre, il y a une chose que je remarquais hier quand je démarrais la vidéo, c'était un peu flou au départ. Oui. Mais ne vous arrêtez pas, après ça devient clair. C'est peut-être un Oui, truc, mais un c'est peut-être problème de parce que j'ai bougé chargement aussi. Hein. aussi. Non, non, c'est l'image, c'est pas parce que c'est bougé. D'accord. Ça n'a pas de rapport. C'est vraiment comme si, comme l'image n'est pas chargée, téléchargée complètement. D'accord. Et après, ça devient clair. Alors, je souhaite la bienvenue au nouvel abonné. Attends, ton nom, c'est. Ton pseudo, c'est. T'es Latitude 64. Voilà. De Latitude, je pense que c'est ça. Voilà. De Latitude 64. Bon, bah, bienvenue Ah ben alors. 64, on sera dans le 64 tout à l'heure. Ah, ben oui. Et ben Ben voilà. oui, c'est Pays Bon, Basque dis ça. donc, la guide Oui, touristique, oui. où je vais moi? Tarnos, tu cherches Tarnos, tu es à Tarnos. Mais. Alors c'est où ça, où ça? En fait, il y a un Lequel? parking. Celui-là ou celui-là? Ouais, Au il nord y ou au a. sud? Mais justement, je ne me souviens plus, mais ça n'est un qui est juste au bord de la grande route. C'est pour ça que je parlais. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est. Bon, vous avez vu Parce la que. dernière vidéo d'hier? J'aimerais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Oui. mais j'aimerais bien vos commentaires par rapport à ce que j'ai fait, la petite nouveauté. C'est-à-dire de vous mettre une copie d'écran de Parc4Night Oui. carrément, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander, nous sommes GPS, machin.
Moi, j'y arrive pas. Moi, je vais pas vous donner les latitudes, les machins. Oh, mais c'est Krista, 3 000 chiffres, hein. Non, mais ouais, c'est parce que tout. toi, Krista, tu mets des commentaires de Bah, temps en temps sur Park Fortnite. ouais, mais pas systématique. Pas tout le temps. Non. Donc, je vais tenter, mais je vous promets de tenter de vous mettre une copie Oui, d'écran de oui, où nous allons oui. Dès que nous sommes nous sur un nous parc arrêtons. Fortnite, Voilà. voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que Ouais. vous en avez pensé. Parce que je ne vous promets pas de faire beaucoup, beaucoup plus. Parce que vu qu'on va le Ça faire je vais le suffit. faire au quotidien, voilà. Ça suffit. J'ai pas envie de Parce me prendre trop, trop la que tête tous les soirs. Tous les voilà. soirs. Ça, je vous Non, cache mais pas. c'est Parce que c'est normal, déjà un c'est gros, normal. gros boulot, hein. Et les commentaires sur Park Fortnite, souvent je n'en mets pas, je mets juste, je suis passé, je marque juste mon passage, mais ça se voit pas. Oui. Tu vois, ça se voit Bah, pas sur oui, la page de Park Fortnite. si vous tapez C'est Crissa uniquement, 33, il y a pas, vous non, n'avez pas tous non, les commentaires de Crissa 33, on voilà. voit tous les commentaires, on peut retrouver tous les commentaires, mais si je mets pas de commentaires, si je mets que uniquement, je sais pas, 3 étoiles et je dis que je vais passer telle date, ça, on ne le voit pas. Voilà. On voit que les Donc, commentaires, c'est voilà. pour ça, je vais essayer de vous mettre ça. Ouais, c'est Voilà. bien, c'est une bonne idée là en plus, je trouve. Merci. Bon, je t'en prie. Il faut le dire quand c'est, n'est-ce pas? Quand c'est une bonne idée, il faut le dire, voilà. Bon, ce matin, objectif, ranger mon linge propre, c'est tout. Pour lancer ma main. Oh mince, j'ai bougé la Qu'est-ce que tu caméra, pardon, la table. Attends, ben, moi je veux bouger la caméra. Regardez, regardez. Là, il y a encore tous mes tapis que je lavais. Il y a un sur la table de bord, il y a un qui tient à la main, il Ouais, a c'est un le. peu humide C'est encore. encore légèrement humide, celui qui est sur le table Oh! de bord encore plus. Et en enlevant le tapis, là, je vois une montagne de Oui, une linge. montagne de linge à Et je peux à ranger. peine bouger. Parce, attendez, je vais vous faire voir. Mince, La main devant. je Ah couperai. là 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 Voilà, là. il y Et en a alors là, par il y a ça encore terre. à ranger. Il y en a. Oh là, je jonque. Il y en a encore par terre là. Il y en a par terre partout. Il y en a deux partout. Voilà, il y Voilà. en a là aussi. Mais par contre, ben, les tapis, ben, forcément, ils vont revenir sur le sol. Par contre, je suis très fière de moi. J'ai presque terminé mon rangement en Avec lenteur. les étiquettes et Avec tout, les quoi. étiquettes. Voilà. Et je me suis amusée d'interchanger les couvercles des boîtes. Ouais, on voit ça. Je me suis mariée avec ça. Voilà. Et après, elle est ratatinée, quoi. Ben ouais. Bon, allez, j'ai fini ma ricorée. Anda. Tout en va? Ouais, Bon, allez, ben go. va-t'en J'allais alors. bosser. Va bosser. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Allez, à plus! À tout à l'heure. 'Voilà arrivée à l'étape. J'ai d'abord fait quelques petites courses avant de partir en Espagne. Bon, voilà, le carrefour est là-bas. Voilà. Et là, nous avons un bâtiment immense. J'ai vu que c'est un cinéma, 12 salles, etc. Nous sommes sur un parking d'auto-école, sûrement. Voilà, les auto-écoles 2 roues et 4 roues viennent ici. Là, il y a plein de motos. Pour l'instant, je n'ai pas ouvert à Cassis. Attends. Bon, j'espère qu'on va pouvoir passer la nuit tranquille et partir demain matin tranquille. Cette fois-ci pour l'Espagne. J'espère que Crissa aura eu ses postes restantes. On verra ça. Oh, finalement, c'est calme. Je me suis garée la porte face un peu à la nature. Allez, va. Je vais ouvrir à Cassie. J'ai confiance en elle. Cassie, tu veux sortir? Cassie, allez, oula! J'ai même pas le temps de te filmer, très chère amie, que tu es dehors. Et oui, un autre endroit. Bon, ça va, elle est contente. Moi, oui, je le vois que tu es contente. Tu sais ce que j'ai fait à Cassie? Je vais faire voir à nos abonnés ce que j'ai acheté avant de passer la frontière espagnole. Deux petites choses qu'en Espagne, c'est pas au top au niveau alimentation. Mais chérie, je vais tout de suite vous faire voir ça.
Alors, les Espagnols ont un petit souci, c'est la viande rouge. Elle est très chère et elle est pas superbement bonne. Donc, j'ai trouvé ça en promotion, la viande hachée. Je sais, c'est un truc complètement basique. Voilà, c'était en promo parce que ça, voilà, la date de péremption va arriver là. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà, j'ai pris deux paquets de 350 grammes. Ça me fait quand même 700 grammes de viande. Waouh! Ça va, j'ai de quoi faire. On ne sait jamais si Chrissa n'en a pas trouvé. J'en passerai. Je vais diviser en trois portions et mettre au congélateur, bien évidemment. Et là, je me suis fait un plaisir avant de partir. Oui, j'aime la viande crue, donc je vais me faire un carpaccio juste avant de partir et de ne plus avoir de viande et de me faire une longue, longue cure de poissons et de crustacés. Et la deuxième chose, mais ça c'est dans beaucoup, beaucoup de pays, hein, parce que c'est vrai qu'en France, on fait des fromages comme le camembert, le brie, etc., qu'à l'étranger, ils n'apprécient pas ou c'est même interdit. Donc voilà, je me suis pris un petit brie. Je vais commencer à le manger frais, simplement avec un petit morceau de pain. Et lorsque, si jamais il commence à s'abîmer, parce que bon, il y a quand même 500 grammes, après, je le ferai simplement chauffer sur une tranche de pain de mie ou de pain à la poêle avec quelques épices, tu vois, une bonne salade et ça te fait un super repas. Le truc simple, basique, auquel on ne pense pas toujours, mais c'est super agréable. Voilà les deux choses, le fromage et la viande rouge. Bon, Christa vient de m'envoyer un message comme quoi les postes restantes ne sont pas arrivés. Donc, on va devoir peut-être rester plus longtemps que prévu. Elle ira déjà voir demain si c'est arrivé. Et puis, on verra bien quand on partira en Espagne. Alors, j'ai repris tout de suite les bonnes habitudes. Là, ma machine à laver, je l'ai préparée juste avant de partir ce matin. Voilà, mon linge qui a bougé dans tous les sens avec la lessive. Là, tu vois, il y a toujours un cintre. Je mets un cintre et puis ça, c'est mon étendage que je vais ensuite accrocher ici. Moi, j'adore parce que ça sèche très, très vite. Et au moins, c'est discret puisque on fait que du sauvage, on n'embête personne. Bon, ça, c'est ma serviette, hein, de la douche. Un petit truc bête que j'ai trouvé, tout simplement. Ça, tu sais ce que c'est? Bah oui, tout le monde sait ce que c'est. C'est pour les WC, normalement. Et en fait, j'en ai acheté une toute simple comme ça, toute basique, pour la douche. Parce que comme l'eau, des fois, s'évacue pas super bien, parce qu'on n'est pas hyper, hyper plane. Alors, quand j'ai fini de prendre ma douche, ben hop, bon, en plus, moi, j'ai un siège, donc, tu vois, je frotte, j'évacue. Alors, non seulement ça évacue, et en plus, ça nettoie en même temps. Donc, d'une pierre deux coups. Et oui, je suis la reine des fainéantes, hein, c'est pour ça que je trouve les petits trucs. Et voilà Foxy. Et voilà Foxy. Bon, là, elle se pose la question, comment vais-je me garer? Oui, elle m'a fait signe. Moi, je pense que le mieux, c'est comme ça, le long de la végétation. Alors, pas de poste restante. Pas de poste restante. La postière, elle me regardait avec des grands yeux comme ça. Poste restante. J'avais l'impression qu'elle avait encore jamais entendu parler de tout ça. D'accord. Bon, ben, la poste, elle est ouverte. Le bureau de poste, il est ouvert tous les après-midi jusqu'à 17 h. Donc, je retournerai demain parce qu'en plus, encore 4 postes. Ah, en plus, Voilà. bon. Un colis de l'Allemagne avec nos adaptateurs. Oui. Un colis de Jacques Escoubet avec le régulateur et deux courriers pour remplacer ma carte bleue. Ouais. Voilà. Mais en attendant, j'ai une carte Espagne-Portugal. La mienne est plus vieille, elle date de 2005. Elle est toute belle, toute neuve. 2018, c'est marqué dessus. Oui, je voulais préciser pour les postes restantes. Voyez là par exemple, Chrissa, elle a commandé depuis un moment. Oui. C'est pas arrivé, mais vous avez le temps pour la poste restante puisque normalement les lettres et colis
reste 15 jours au bureau de poste. Avant d'être donc renvoyé. Vous pouvez commander longtemps à l'avance et y aller tranquillement, hein, tout simplement. Bah, jusqu'à maintenant, ça a toujours super bien fonctionné, peu importe à quel endroit nous étions. Oui. En Allemagne aussi, on a déjà, oui, déjà voilà. récupéré. Mais prenez-vous, vous pouvez vous y prendre à l'avance, prévoir à l'avance, parce que de toute façon, ça arrive toujours en retard. Voilà. Ça arrive toujours avec un peu de retard. Et c'est ça qui m'étonne toujours, parce qu'en fait, c'est pas distribué, ça reste dans le bureau de poste. Alors pourquoi c'est toujours plus long que... Ouais, je sais pas. Je sais pas, jamais compris. Une petite précision aussi qui peut être sympathique, même si vous êtes en France. Par exemple, là tout à l'heure, je me suis connectée et il y a du réseau Wi-Fi gratuit proposé par le centre commercial. Oui, c'est souvent. Alors, ouais. C'est très très facile. Surtout, n'ayez pas peur de vous connecter. Souvent, ils vous demandent votre nom, votre mail, des trucs comme ça. C'est simplement pour vous envoyer des publicités. Ouais. Moi, ce que je fais, je mets une adresse mail qui est vieille comme le monde, que j'utilise plus, voilà. Ouais. Et pour pas recevoir des publicités après à gogo dans la boîte. Voilà. Ouais. Donc, j'ai mis une vieille adresse mail. Ouais. Et puis, basta, maintenant, j'ai l'internet de Carrefour. Tout simplement. Eh ben voilà, et il y en a un autre, c'est Point Vert, Feu Vert ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être. Aussi ouais, accessible, ouais. etc. Ouais. Donc c'est toujours sympa. N'oubliez pas, une vieille adresse mail où après bah, vous refusez les publicités, tout simplement. Ils ne vont pas venir chez vous faire toc-toc à la porte, tout simplement. Je vous rassure, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Non. Surtout pas. Alors, autre information, j'ai contacté SFR ce matin justement pour ma deuxième carte SIM. Oui. Parce que l'abonnement que nous avons pris, oui. et toi et moi, c'était la même chose au même moment, le même jour, auprès de la même personne, mais il y a deux différences. C'est vraiment, c'est incompréhensible. Non, mais c'est trop folklore, voilà. quoi. Il y a une boutique SFR, effectivement, mais elle n'est pas dans le grand bâtiment principal, dans la galerie commerciale. Elle est à l'extérieur, à côté de chez McDo. Il faut traverser le parking, il faut aller l'autre côté du parking, c'est l'autre côté du McDo, voilà. J'irai demain. Je vous ai dit tout à l'heure, on vous racontera quels sont les choix qu'on a fait pour Internet à l'étranger. Oui, aussi. J'aimerais vous en parler une fois qu'on aura passé la frontière, que nous aurons vérifié qu'on nous a bien vendu le bon truc. Bien. Parce que franchement, maintenant, je fais partie des sceptiques au niveau des opérateurs téléphoniques, même très très sceptiques, tellement c'est folklore. C'est folklore et c'est bizarre que je la surveille même Domino. Personne... la même personne qui nous vend la même chose le même jour au oui, même moment ouais, et le même opérateur, le résultat n'est pas le même, le résultat c'est pas du tout le même. À Ambre, à toi on t'a raconté des choses, à moi on m'a raconté autre chose, et bien maintenant on attendra le résultat quand nous aurons traversé la frontière. Bon, tout simplement, maintenant un petit peu de repos, j'ai mangé quand même un petit morceau et... Fin moi. Moi j'ai déjà mangé un petit bout. Ouais. Là je vais profiter d'être tranquille. Bon, je vais travailler bien sûr. Ouais. Et puis je vais commencer à jongler très sérieusement entre mon iMac et mon nouveau PC portable. Eh bien, amuse-toi bien. Oui, parce que ça c'est folklore. Pour tout mettre de l'un à l'autre, ouais. ça c'est folklore. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit? Plein de bisous. Hein. Plein de bisous et peut-être à plus tard. Hein. On ne sait pas. Si oh, moi, j'ai plus envie de les voir. T'as plus... Oh, tu veux plus avoir mes amours? Non. Ni tes chéris? Non. C'est triste. On ne sait pas. Allez, peut-être. Allez, sinon... À tout à l'heure. En cette fin de journée, un événement intergalactique. Foxy est devant. Oui. Il est bien devant. Krissa, elle est là. Alors, c'est ça l'événement intergalactique! Parce que Krissa ne vient pratiquement jamais dans Coquelicot. C'est rare, parce que chaque fois quand je viens ici, je suis obligée d'enfermer Domino dans Foxy. Voilà. Et donc, elle ne vient pas vers moi. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, cette fin de journée, qu'est-ce que tu veux dire à tous nos chéris? C'est quoi ça? Pardon, c'est le boulot qui m'appelle! C'est pas grave. On a la compagnie là. Oui. Il y a une moto-école dehors là qui font le plateau là. Ouais. Il y a deux jeunes filles, un monsieur d'un certain âge. Il y a 4 ou 5 motos qui se baladent.
Pas assez discret quand même. Oui, ils sont discrets. Quand je les ai vus arriver et s'installer, je me suis dit, oh là là, ça va faire un bruit infernal. Non, en fait, ça Ils font le parcours aussi. Le parcours, donc, le plateau, ça s'appelle. Et moi, en tant que nomade sauvage, je suis discrète aussi, puisque j'ai fait ma lessive, j'ai lavé mon linge, excusez-moi pour le bruit, c'est le boulot, et j'ai étendu dans ma douche pour ne pas m'étaler, voilà. Ouais. Parce qu'après tout, eux, ils sont là, puis même si je n'étais pas là, je ne m'étendrais pas dehors. Non, non, ça se fait pas. Bon, tu vas aller te faire un petit dessert? Je vais me faire un petit dessert. Parce que je finis tout à l'heure le bateau basque. Le gâteau basque. Le gâteau basque de la boulangerie qui était trop bon. Il faut prendre le gâteau basque classique avec la crème anglaise. Pas avec cerise, j'aime pas trop cerise. Non, c'est trop fort cerise. Ouais, c'est un peu comme les pruneaux, c'est fort. C'est fort, ouais. Bon, voilà. Moi je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Ouais. Bisous. Ouais. Ciao, ciao, amusez-vous bien, à demain.